Oh, démonte le Broly. Cule. Yo, c'est une vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne et j'aimerais que ça devienne de plus en plus commun d'ailleurs maintenant à partir d'aujourd'hui de cette vidéo là. Parce que comme vous pouvez voir du coup il y a du montage, enfin du montage c'est pas un montage de fou furieux non plus, mais ça reste un montage que j'ai pris du plaisir à faire. En fait je vais vous expliquer ça petit à petit, de toute façon on a le temps. Le Battle Road pour ceux qui étaient là sur le live, vous savez que ça a duré plus d'une heure. Bon en tout cas c'est pas une vidéo d'une heure parce que j'ai mis le gameplay en x2 et même en x2 la vidéo je trouve qu'elle est quand même un peu longue. Mais enfin bref, du coup, comme vous savez, la plupart des vidéos d'Okan, il n'y a pas vraiment besoin de faire du montage, voire même il n'y a pas besoin de faire du montage sur des vidéos d'Okan. Clairement, parce que de toute façon, ce qui nous intéresse quand on regarde une vidéo, c'est soit pour voir les news, soit pour voir les unités, soit pour voir des tests d'unités, des tests de team, tout ça. Et ensuite s'émerveiller devant les dégâts que la nouvelle carte a fait en mode « Oh, waouh, trop bien, l'aspect est magnifique, nanani, nanana, enfin bref. » Du coup, je me suis dit que même si ça en valait pas la peine, je tiens quand même à faire des montages sur mes vidéos à partir de maintenant, même si c'est pas forcément obligatoire. Parce que tout simplement parce que j'aime faire du montage, même si je prends beaucoup de temps à faire du montage, parce que le peu de montage qu'il y a là sur cette vidéo là, ça a quand même pris plus de 2 heures à faire ça. Donc je sais que c'est un peu long pour le rendu que ça donne et que c'est super pas pro. Enfin, c'est pas professionnel, c'est pas clean, c'est pas enfin voilà, vous m'avez compris, c'est pas un truc de pro. Mais bon, j'en suis pas un, je suis un amateur, je commence à peine à toucher ce domaine-là, donc en espérant que dans mes prochaines vidéos, ça s'améliore de plus en plus. Comme ce que je disais en live, et comme je dis souvent en live, ma chaîne, ça fait pas longtemps qu'elle est créée, et j'ai quand même pu constater une grande évolution depuis le début de ma chaîne, rien qu'au niveau en fait du commentaire et ensuite de mon aisance quand je démarre une vidéo ou que je démarre mes lives. Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant pour parler, donc ça c'est une amélioration pour moi parce que je suis quand même une personne qui est qui est de base assez discrète on va dire. Et là du coup me retrouver devant un écran c'est quand même plus alaisant, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je me sens plus à l'aise en tout cas, et ça c'est cool. Et comme je disais, il n'y a peut-être pas besoin de faire du montage, mais je prends quand même plaisir à les faire. Et j'espère que ça sera plus agréable aussi pour vous du coup en termes de visionnage et à regarder et peut-être pas à écouter, parce que je dis souvent, enfin je dis pas souvent de la merde, mais j'ai quand même toujours du mal à un peu commenter clairement les gameplays, patati patata. Je dis beaucoup de « e », je répète beaucoup de fois certains mots, il y a même des fois où je répète beaucoup plein de choses. Enfin bref, rien que dire ça, ça m'a fait répéter 3 milliards de fois les choses. Mais aussi, c'est une vidéo spéciale, parce que, enfin, une vidéo spéciale, j'ai l'impression que c'est une vidéo spéciale à chaque fois que je sors un truc, à chaque fois que je sors une vidéo, mais bon. Là, ça allait, parce que j'ai bientôt 1500 abonnés sur la chaîne, clairement, c'est un truc de malade mental, je vous remercierai jamais assez par rapport à ça. Clairement, parce que la communauté devient de plus en plus grande sur la chaîne, que ce soit sur les lives ou dans la communauté, même sur le Discord, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment un truc de malade. Je vous remercie énormément, et je pense que ça, vous le savez, parce que j'ai tendance à beaucoup remercier. Mais bon, je tenais quand même à le faire parce qu'on touche les 1500 et du coup ça me pousse de l'avant, clairement, parce que ça va pas pousser, ça va pas me faire régresser. Justement, vu qu'on est de plus en plus nombreux, j'aimerais faire des vidéos qui sont de plus en plus qualitatives, autant visuellement que auditivement. Mais même si je débute à peine, j'essaye de faire en sorte de toujours m'améliorer, d'aller de l'avant, et peut-être qu'au bout d'un moment je serai pleinement satisfait des vidéos que je sortirai. Même si c'est pas tout de suite, là je sais que la vidéo que je sors et que vous regardez actuellement et que moi je regarde actuellement, même si que le gameplay, j'apprécie les montages que j'ai fait, mais je sais que dans quelques mois, si je suis toujours là, et ben je vais me dire putain, ce montage c'était bien de la merde et tout, et enfin c'est comme d'habitude quoi, hein, c'est normal quand on évolue et qu'on voit ce qu'on a fait des mois avant. C'est cool de voir sa progression et je la vois à chaque vidéo que je fais, enfin pas à chaque vidéo, mais si je compare tous les mois, je prends une vidéo au hasard que j'ai fait sur ma chaîne qui date d'il y a 1 mois ou 2 ou 3 mois, je vois quand même l'évolution qu'il y a, et ça, ça fait plaisir parce que j'aime aller de l'avant et j'aime ce que je fais en fait. C'est cool de se dire que ce qu'on fait par passion et par, par envie, et ben ça s'améliore et enfin je sais pas, c'est... voir que les gens ils apprécient le contenu de ce qu'on fait, c'est satisfaisant et ça pousse à aller de l'avant tout simplement. Et aussi je pense pas que, en tout cas, Kibiki il arrivera sur cette vidéo à ce moment là, mais bon,
S'il y est et que t'es là, en tout cas, big up à toi, carré solide, mec, parce que c'est le genre de... Il avait fait un discours en live, en tout cas, Kibiki, qui m'a incité justement à m'améliorer en termes de vidéos sur Dokkan, même si ça fait... J'avais pas besoin, en fait. Avant de démarrer ma chaîne, je voulais faire ce genre de vidéo-là, un peu fun, avec du montage, etc., etc., même si c'était sur du Dokkan. Mais quand je venais de débuter, j'avais pas de connaissances sur le domaine, je savais pas quel logiciel utiliser, j'avais limite comment record, j'ai mis pas mal de temps avant de prendre les choses en main, même faire les miniatures et tout, c'était la galère. Maintenant que je suis un peu plus à l'aise, je commence un peu à faire des montages par-ci par-là. Et le discours de Kibiki, du coup, il m'a motivé à aller de l'avant et de faire des vidéos, on va dire, de qualité. Donc bon, c'est peut-être pas un truc de ouf pour vous, mais pour moi, pour l'instant, je suis assez satisfait de ce que je fais en ce moment, et tant mieux, parce que sinon ça serait pas cool, quoi. Et là, j'avais pas parlé du gameplay, mais je pense que vous regardez en même temps, si le gameplay il est ultra rapide, c'est parce que je l'ai mis en x2, sachant que le jeu il est déjà en x2, bah, je suis en x4 en fait. Donc du coup, raison pour laquelle le gameplay il est assez rapide, mais bon, je pense que heureusement qu'il est rapide, parce que... Pour ceux qui étaient là en live, j'ai mis une heure à le passer, ce Super Battle Road. Clairement, c'était un truc de malade mental, tellement c'était long. J'ai mis des heures et des heures. J'ai mis une semaine entière. Enfin, j'ai fait une semaine de live rien que sur cet event-là pour pouvoir le passer. Alors, je vous dis pas comment j'ai sué. Et encore, vous avez eu les moments en live, parce qu'il y a des nuits... Franchement, je me couchais à 2h du matin pour pouvoir le réussir et j'y arrivais pas. Genre, ça me rendait fou. Le truc, limite, il me hantait, mais bon. Bref, le plus dur est passé parce que vous savez que maintenant j'ai réussi le Super Battle Road en Extreme Tech et que j'ai terminé tous les events de Dokkan sur la version globale. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup, j'ai toujours pas décrit la team, j'ai toujours pas décrit les unités que. Enfin, décrit la team et les objets que j'avais utilisés. Je vais le faire maintenant, parce que sinon ça va être trop tard après, même si mieux vaut tard que jamais. Et même au niveau de ça, je sais que j'ai l'habitude, la mauvaise habitude du coup, de pas montrer mes teams. Quand je démarre le gameplay, j'appuie direct sur le bouton start, on arrive sur le plateau, on voit les teams, patati patata. Et ça, c'est l'erreur que je fais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le gameplay de la même manière habituelle. Sauf que du coup, je pense que à droite ou à gauche, je mettrai soit la team que j'ai utilisée, leurs stats avec les doublons, tout ça, et les items que j'utilise. Et du coup, là, en claquant des doigts, il y a Grégory qui vient d'apparaître et qui va vous montrer les items que j'utilise. Donc, j'ai pris un Ghost, le Phantom Portier en français, comme vous voulez. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire ce que cet objet-là, il est capable de faire. En deuxième item, du coup, j'ai ramené la Bulma du futur, qui soigne les PV de 70% et qui booste l'attaque de 25% pendant 2 tours. En troisième item, j'ai ramené le Frankie ou le C8, c'est comme vous voulez. Moi, je l'appelle Frankie parce que j'ai regardé le manga Dragon Ball, enfin, je l'ai lu surtout. Et dans le manga, il appelle pas C8, mais plutôt Frankie. Il a pour utilité, du coup, de régène les HP de 70%, tout comme la Bulma. Et, sauf que là, c'est pas de l'attaque, c'est de la défense, de booster la défense de 50% pendant 2 tours également. Et en quatrième item, j'ai ramené la Chichi infirmière. Chichi infirmière que j'avais pas en beaucoup d'exemplaires. Et elle, en fait, c'est un item qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir très très souvent, enfin pour mon cas en tout cas, parce qu'il est droppable que dans un certain event du jeu qui est plus actuellement disponible. Mais il est très intéressant cet item là, tout simplement parce qu'en fait il debuff l'attaque et la défense de 74% pour les ennemis en face, tous les ennemis en face. Donc moi je le considère limite comme un fantôme, parce que quand on se prend des spé ou des auto-attaques, on perd quasiment rien en HP. C'était vraiment super utile comme item. Même si ça dure qu'un tour, c'est quand même, ça a quand même fait le café, pardon. Et donc voilà. Ensuite, bon, du coup, là, depuis, j'ai gérté Grégory et ses items, tout ça. Là, on va passer à la présentation de la team. La team que je vais faire apparaître à gauche ou à droite, j'en sais rien encore. Mais du coup, j'ai ramené le Broly SSJ3, qui est le Neo God de type Extreme Tech. Là, je pense que je vous apprends rien du tout, clairement, mais bon. Il est SP10. Arbre monté à 2000, etc., etc. Il a pas de doublon, malheureusement, en tout cas pour le mien. Deuxième unité, j'ai ramené le Golden Tech qui était à 100%, donc une unité très très voire même indispensable, je pense, pour le Battle Road actuellement, que ce soit sur la version Jap ou la version globale. On en a clairement besoin parce que, pardon, on a besoin de sa tankiness. Sa tankiness que, pardon, putain, c'est incroyable. On a besoin de sa tankiness, du coup, lorsque l'HP sont au-dessus des 50%, ils tankent, que ce soit les SP ou les auto-attaques. Le fait de l'avoir à 100%, c'est quand même toujours mieux que ne pas avoir doublon dessus. Ensuite, en troisième unité, le Zama Black LR.
Zara Black LR, LR de type, enfin le Neo LR de type Extreme Tech, je pense que je vous apprends rien non plus. Son passif il est un peu long à stack, mais en Battle Road on a le temps de le faire, donc une fois qu'il est bien stacké, il a de la défense et il a de l'attaque, donc ça c'est vraiment cool. Il est SP20, surtout son passif qui est juste extrêmement utile aussi pour le Battle Road parce qu'il régène 15% des HP lorsqu'il revient sur le plateau et ça proc tout le temps, donc c'est vraiment grave utile. Ensuite, l'autre unité que j'ai ramené c'était le Bardock, ouais, le Zamasu parce que voilà. Zamasu qui avait deux doublons, monté en critique, l'arbre monté, je pense que je vous apprends rien. Ensuite, du coup, le Bardock Timebreaker en 5ème unité que j'ai ramené parce qu'il a des bons liens avec les différents Saiyans qu'il y a dans la team et surtout pour son debuff, même si son passif il proc pas ou qu'il est inutile, ce qu'on me reprochait en Battle Road, je trouve qu'il a quand même fait le café parce que du coup, vu qu'il a quand même deux doublons, il a des chances de proc une attaque supplémentaire, il a des chances de mettre des critiques plus que le sel que j'avais monté aussi. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Et dernière unité, je pense qu'il faut en parler de celui-là, c'est bien le Thales Tech. C'est incroyable comment j'étais hyper chanceux pour le Battle Road grâce à lui. Vraiment, c'est le MVP, c'est l'homme du match pour moi. Même si les autres, ils ont pu proc, ils ont pu tank, ils ont pu tout faire. Mais son stun, il a proc tellement de fois, c'était magique. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois en live. Thales, si je réussissais le Battle Road avec lui, je le mettrais SP10 100%. Rien à faire que je le joue pas ou que je le jouerai plus jamais, mais clairement il mérite parce que il faut savoir que avant de réussir ce Battle Road là, j'avais réussi les 9 Battle Road précédents, genre j'ai réussi tous les super, tous les extrêmes sauf lui. Et là clairement le fait d'avoir réussi entre guillemets grâce à ce Thales là, grâce à tous les stuns qu'il a pu mettre, le Battle Road, ça m'a clairement reflux on the flux. Hein. J'étais grave heureux, je vous dis pas la réaction. Mais bon, vous la verrez à la fin de la vidéo, hein, parce que voilà. je tenais à ce que ça soit une partie de l'enregistrement qui soit déposée en direct live. Même si c'est pas du live, c'est une vidéo, mais c'était la réaction directe de quand j'ai terminé le Battle Road, parce que j'aurais jamais pu avoir une meilleure réaction que ça, parce que même si je la faisais en off, ça serait vous mentir, parce que je me ferais un faux film, genre waouh, je l'ai réussi alors que je savais que déjà je l'avais réussi. Mais enfin bon, vous m'avez compris, là j'ai l'impression que je parle... Là c'est le genre de moment où je me dis que je me perds dans mon commentaire et que ça part en cacahuète et que je commence à raconter de la merde. Mais bon, faut que je me reconcentre du coup. Je regarde le gameplay, je regarde la caméra en même temps, j'essaie de faire les deux. Et aussi changement de caméra, d'habitude j'ai la caméra en face de moi, donc ça fait qu'indirectement je regarde et le gameplay et la caméra. Là quand je dois parler en fait, je suis obligé du coup de me pencher vers ici pour vous regarder. Après c'est pas plus mal que ça, ça me permet aussi de me concentrer un peu plus sur le gameplay. Même si je dois vous avouer que ça fait un peu bizarre de regarder une caméra parce que j'ai pas l'habitude, je suis quelqu'un de assez, on va dire, discret, que ce soit... je suis quelqu'un d'assez discret IRL en tout cas. J'ai pas l'habitude, mais bon, grâce à YouTube, je m'améliore dans ce domaine-là, donc c'est plutôt satisfaisant. Là, on peut voir du coup qu'on est arrivé à la troisième phase du Battle Road. Alors ça fait clairement plaisir. Je me suis dit, j'ai tellement d'items comparé à d'habitude parce que sachez que quand j'arrive... Au troisième round du Battle Road en Extreme Tech, il me restait toujours 2 items ou 3. Et ensuite c'était la grosse merde. Clairement c'était grave la merde. En plus je suis parti en Dokkan Mode très très vite pendant ce super Battle Road là en tout cas. Là vous pouvez voir que j'ai hésité pendant 1000 ans à savoir si je devais utiliser un item ou pas. Et justement je tenais à dire aussi que que je l'ai pas réussi tout seul hein, ce Battle Road. Clairement j'ai eu les conseils de beaucoup de gens qui étaient à ce moment là présents sur le live, donc je les remercie parce que je sais pas que sans vous j'aurais pas pu le réussir, mais en tout cas c'est grâce à vous que je l'ai réussi, donc on l'a réussi ensemble ce Battle Road. J'ai l'impression de sortir d'un manga et de faire c'est grâce à la force de l'amitié qu'on a pu réussir à vaincre l'ennemi, etc, etc. Mais genre c'est clairement le cas hein, c'est vraiment grâce à vous, si j'ai pu réussir ce Battle Road là, grâce à vos conseils, à vos trucs genre il faut que ça passe, patati patata, même pour savoir si les HP de Golden par exemple, ils étaient à 50% ou plus, vu que j'ai des petits yeux, j'ai pas réussi à voir si la barre elle était assez haute ou pas, et il y a des gens dans le chat qui m'ont confirmé que oui, d'autres que non, et ça faisait plaisir, enfin ça faisait partie du live et clairement c'était vraiment super appréciable de pouvoir faire ça. Là au passage il y a un don de Sniper Shin GT. Et merci énormément Sniper Shin parce que je sais que c'est un abonné maintenant qui me suit depuis hyper longtemps, depuis mon live 12h de Freezer.
et qui m'a quand même donné, qui m'a quand même offert, on va dire, pas mal de dons depuis que j'ai commencé la chaîne. Clairement, je t'en remercie. Tu passes sur la vidéo parce qu'il y a eu un don à ce moment-là, mais des bisous à toi si tu regardes la vidéo en tout cas. Et faut aussi, désolé si vous voyez qu'il y a des cuts par-ci par-là pendant le gameplay, c'est parce que j'ai dû faire beaucoup de cuts parce que des fois le live il a planté. Si vous étiez présent à ce moment-là du live, je pense que vous savez qu'il y a eu un gros problème. Pas pour le Battle Road parce que lui il s'est entre autres bien passé, mais surtout par rapport par rapport à l'overlay. L'overlay, je pense que tout le monde va s'en souvenir pour ceux qui étaient présents dans le live, de l'overlay bruyant, genre le Trunks qui se transformait en Super Saiyajin et qui, et on entendait le bruitage derrière. Moi je l'entendais pas parce que du coup bah, j'étais devant et j'entendais rien du tout à part le son du jeu, enfin même pas le son du jeu, j'entendais le son de le fond de musique qu'il y avait. Mais j'entendais pas la transformation et du coup dans le chat on me disait putain baisse-le, c'est horrible, fais un truc, c'est horrible la transformation, ça saoule, on n'entend pas, il est méga fort. Et là je commençais vraiment à rager parce que du coup c'était un overlay de Abakito. Donc Abakito, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi aussi. Même si ton overlay il a fait grave chier, dis-toi que tout le monde t'aime et que même si t'as fait grave chier des oreilles, en tout cas c'était quand même une partie marrante du live, même si pour sur le coup, avec le recul c'est marrant, mais pendant le live moi j'étais en sueur, hein, clairement. Il y avait beaucoup de monde sur le live, ça faisait chier beaucoup de monde et moi j'étais là en mode putain j'arrive pas à régler le problème, j'arrive pas à baisser le son de l'overlay et tout. En plus il y a un mec qui m'avait dit que ça buguait alors qu'à un moment ça buguait plus, du coup j'ai commencé à rager mais d'une force incroyable. En plus du coup le fait que je touche à plein de paramètres en même temps, le live il a bugué, j'ai dû le couper et j'ai dû le relancer le live. Donc du coup j'ai dû attendre que les personnes qui étaient plus là reviennent pour pouvoir relancer le gameplay tout ça. Enfin là ça se voit pas hein, en live genre, enfin sur la vidéo ça se voit pas, genre on dirait que c'est tout clean. Juste le truc il est en x2, il est tout net, patati patata et tout va bien. Et alors que c'était pas du tout le cas en live, clairement c'était le Bronx, un truc de malade. J'ai cut la vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais fait un peu de la merde au niveau du montage. Mais bon c'est pas grave, là vous avez pas vu la merde parce que j'ai rattrapé le truc. Mais du coup là on arrive à la fin du Dokkan Mode. Je crois que dans mon gameplay j'avais dit qu'on était qu'à la troisième phase. Enfin la fin du Dokkan Mode, la fin du Super Battle Road. J'avais dit que je crois qu'on était qu'à la troisième phase, mais en fait c'est la dernière parce que j'ai l'impression de parler. Enfin j'avais parlé, du coup j'avais l'impression que le gameplay il allait super lentement alors qu'il était en x4. Mais bon là j'étais en train de réfléchir du coup avec le chat pour savoir la décision que j'allais prendre. Là du coup j'ai pris les 3 orbes de ki pour pas partir en spé, ce que j'ai bien fait. Du coup après je me suis dit si stun Goku c'est parfait, j'ai limite bientôt réussi le Battle Road. Et il a réussi à le stun, clairement c'était vraiment l'homme du match, le MVP, monsieur Talesu, clairement. Alors si vous le voyez un jour à 100% dans vos amis, sachez que c'est moi. Si je le mets un jour dès que je peux le spé 10 gratuitement et qu'il y a les orbes, je le ferai. Et pour la fin du coup de cette vidéo, j'ai préféré laisser la réaction en direct lorsque j'ai réussi à terminer ce Battle Road parce que je me suis dit que ça valait le coup quoi, que je laisse la réaction réelle parce que là ça serait du fake si je montrais de la joie en réussissant ce Battle Road là. Donc là du coup on peut voir que j'ai loupé une boule de ki. Mais bon, du coup je vais arrêter là moi de commenter et vous montrer la réelle partie dans un instant. Et je vous laisse apprécier le truc, ciao. Oh, s'il vous plaît, c'est maintenant ou jamais, s'il vous plaît, réussis. Allez, 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 faut qu'on le termine, faut qu'on le termine. Je prends une spé sur Golden, c'est pas grave. Oh, passe, la vie de moi, tu passes. Ah, si tu passes, mon pote. Ah, démonte-le, stun-le, Thalès. La vie de moi, je te mets spé 100. Oh, putain. Allez, allez, il va passer, il va passer. Oh, démonte le Broly. Tue-le. Grouille. Oh, il est fini ou pas? Il est fini. Oui, oui. Putain de merde. Oui, il a enfin fini ce Battle Run. Oui. Oui, putain. Bon, vous avez pu voir du coup la réaction un peu abusée parce que faut quand même pas oublier que ça reste Dokkan Battle, c'est un jeu de boules, c'est un jeu mobile et tout, mais je me suis excité comme un gamin de 12 ans qui avait limite réussi à faire une nuque sur Nocturne ou à réussir 200 manches en zombie ou à faire 3 pentakills dans la même game, enfin bref, vous me comprenez, mais j'étais clairement hyper satisfait.
Et je vous laisse du coup sur cette fin de vidéo. Comme d'habitude, merci énormément pour tout le soutien que vous m'apportez. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis sur ce, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao.